Le Speed Meeting du pôle Paris Alternance, en fait, c'est une grande rencontre entre d'un côté des entreprises qui ont besoin de recruter des futurs collaborateurs et puis les étudiants de PPA qui, eux, vont rechercher une alternance. Nous avons plus de 300 étudiants inscrits sur ce Speed Meeting pour 60 entreprises attendues et donc 150-170 postes à pourvoir. Et le principe, c'est qu'on prépare notamment nos étudiants en amont, bien vérifier qu'ils maîtrisent ce qu'on appelle leur pitch et puis bien vérifier également que leur CV et leur profil professionnel sur LinkedIn soient bien maîtrisés par ailleurs. C'est la deuxième fois qu'on participe au Speed Meeting de PPA parce que c'est une école qui a des profils qui sont davantage expérimentés, qui ont de l'expérience surtout. On aime bien les personnes qui ont fait de l'alternance parce qu'elles ont déjà une expérience dans le monde de l'entreprise et souvent quand on prend des personnes en alternance, ils restent plus longtemps chez nous. Les Speed Meeting c'est assez intéressant parce que déjà ça garde le côté humain. Souvent on passe par Indeed, tout recrutement et c'est pas toujours évident. Mais c'est plus intéressant parce que ça peut permettre de se démarquer. Là, en l'occurrence, ils sont préparés à l'entretien, ils savent à quoi correspond l'offre. Ils sont vraiment préparés à l'entretien, donc du coup, on peut pousser un petit peu plus loin et puis leur dire ce qui va pas aussi dans leur présentation ou leur CV. Je dirais que ça facilite le travail, ça nous évite de chercher un contact sur Internet. Le contact est déjà là, l'entreprise est déjà là. Par la suite, on est recontacté, je dirais, une semaine après. Donc c'est beaucoup plus facile et plus rapide. Le pôle Paris Alternance organise environ 3 grands speed meetings par an. Mais sinon, nous avons aussi 50 postes proposés à nos anciens qui souhaitent éventuellement avoir une nouvelle aventure professionnelle.